From the beginning. Je suis au taquet, pas de problème. Je suis exactement chargé de mission filière biologique pour COP de France au Val-Rhône-Alpes. J'ai passé une partie de mon enfance à Madagascar. J'ai été très vite sensibilisé aussi à toute une dimension éthique. Donc en matière d'environnement naturel, je suis... Enfin voilà, on est, je pense, dans le top. Ce qui est intéressant avec ma formation, c'est qu'on reste généraliste. On sort de l'école, on est généraliste. Même si on a suivi un cursus plutôt orienté à agriculture, ça ne nous empêche pas d'aller dans l'agroalimentaire. Des stages, toujours des stages. J'ai fait un échange universitaire en Amérique latine. J'ai vu d'autres façons de travailler la terre, j'ai vu d'autres façons d'enseigner. Improviser. Oui, mais enfin, faut maîtriser le sujet quand même à la base. Mais ah, maintenant, je dirais l'être. La troisième année dans mon école de formation, à l'époque, on la surnommait l'enfer numérique. Aujourd'hui, ce qui me pousse vraiment dans mon travail et vraiment ce qui me motive au quotidien, c'est de faire converger les intérêts des différentes structures qui accompagnent le développement agricole au bénéfice de la collectivité et qui répondent aux attentes, aux enjeux de demain. Donc c'est ça qui me... C'est ça qui me fait vibrer tous les matins. Tu veux en savoir plus sur cette formation? Rendez-vous juste ici.